Ce lundi 5 juin 2023, Bastos a été éliminé de Love Island, suite à un geste déplacé. Au moment de la diffusion sur W9, le candidat était en live sur Twitch. Il a pu donner ses explications, et s'excuser. Un geste malheureux. À la fin du mois de mai, Bastos a rejoint l'aventure de Love Island, sur W9. Alors que des anonymes étaient annoncés au casting, des vedettes de la télé ont rejoint l'émission. Une décision qui a suscité un certain agacement auprès des fans du programme. Ce lundi 5 juin 2023, en début d'après-midi, la chaîne sœur de M6 a teasé le départ de l'influenceur. Il est temps de quitter cette aventure, annonce l'intéressé, face aux autres candidats. Sous l'étonnement des différents amoureux et célibataires, Bastos reconnaît avoir eu un geste déplacé envers Issam. Alors que de nombreux internautes se sont interrogés sur cette séquence, le candidat a donné rendez-vous à ses fans sur Twitch, au moment de la diffusion de l'émission sur W9. Je ne regrette pas Love Island, je me suis vraiment marré, témoigne-t-il au début de son live. Bastos regrette son geste avant de s'expliquer. Bastos est revenu sur les raisons de son arrivée dans la compétition. L'idée est de nous faire arriver pour que des couples se cassent et tester la sincérité des amoureux. C'est pour ça qu'on nous fait venir, a-t-il assuré. Pour rappel, alors que Solène et Issam sont en couple, Bastos s'est glissé dans la relation. Il y a eu un rapprochement avec Solène, reconnaît-il rapidement. Il raconte ensuite avoir ouvert la porte de la chambre et avoir vu les amoureux. Issam m'a claqué la porte, a-t-il rapporté, et ce, à 4 reprises. Une situation qui a vivement mis en colère Bastos. Je lui ai envoyé une grande Will Smith à travers sa gueule, avoue le candidat, le sourire aux lèvres. J'ai toujours dit qu'il ne fallait pas, mais je n'ai pas contrôlé. Je lui ai mis une grande baffe. Ce n'est pas bien, j'en suis désolé. Pardon, je regrette, a-t-il confessé pendant son live Twitch. De son côté, selon les déclarations de Bastos, le compagnon de Solène aurait dit à la production qu'il avait peur de moi et qu'il se sentait en danger. Je ne veux pas soutenir la violence, mais ça fait du bien, a-t-il ainsi clos le sujet. Une perte de sang-froid qui aura coûté sa place à l'influenceur.